I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradaben et me voici en compagnie de mon grand ami de toujours, Johnny D. Comment vas-tu? Hey, comment ça va, mon bel enfant? Très bien. Ben ouais, cool. Content de te retrouver une fois de plus dans cette merveilleuse émission. Yes, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va approfondir, en fait, la carrière professionnelle de Madame Ronda Rousey, qui se trouve avoir touché un peu à tout. En fait, elle a été dans le milieu artistique, elle a aussi fait des prouesses à la WWE, mais aussi en judo aux Olympiques, ouais. Et puis à la UFC. Le Mixed Martial Arts. Exactement. Strike Force aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va commencer rapidement dans le vif du sujet. Donc, Madame Ronda Jean Rousey est née le 1er février 1987 dans l'État de la Californie à Riverside. Oui, à l'âge de 11 ans, c'est à cet âge qu'elle a commencé à pratiquer le judo avec sa mère, qui était elle-même judoka, jusqu'à l'âge de 13 ans. Ça fait un peu penser, dans le fond, à notre athlète québécois, Georges Saint-Pierre, ouais. Qui s'est fait entraîner par son père là, dès le tout. C'est le karaté. Karaté taekwondo, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis en 2004, à l'âge de 17 ans, Ronda Rousey était la plus jeune judoka à se qualifier pour les Jeux olympiques d'Athènes. Son parcours n'a pas été long car elle s'était inclinée dans un premier combat face à l'Autrichienne, la regrettée Claudia Hill dans la catégorie des 63 kilos. Cependant, en août 2008, mesdames et messieurs, elle s'est reprise lors des Jeux olympiques de Pékin en gagnant la médaille de bronze face à l'Allemande Annette Baum, devenant la première américaine à remporter une médaille olympique en judo féminin depuis que ça a été créé en 92. La première année que c'était créé, la première année olympique, c'était en 92 à Barcelone lors des Jeux olympiques. Et puis, par la suite, un an, en 2009, elle a décidé de commencer à s'entraîner dans le MMA pour le Ayastan MMA Academy. Puis elle a noté que dans le fond, elle était aussi entraînée par Glendale Fighting Club sous la supervision de Edmund Tarverdian. Mais juste un petit peu avant, elle avait pris sa retraite olympique de judo. OK. Elle avait eu sa médaille de bronze, puis elle s'est retirée. OK, de 2011 à 2014, formation au Jiu-Jitsu, au Dynamics MMA avec Henry Akins. Et c'est aussi entraîné avec notamment Ryron Gracie et Renner Gracie de la Gracie Academy. La Gracie Academy, dans le fond. Tu sais, Ron Gracie, là, j'imagine c'est des... Non, il n'y a pas un qui est marié avec Keith Torres. Oui, c'est ça. Exact. Et puis, en 2010, le 6 août, elle fait ses débuts en amateur. En MMA, avec une victoire face à Aiden Munoz par soumission. Et puis, le 27 mars 2011, elle a eu une fiche parfaite de 3 combats, 0 défaite. Elle fait ses débuts professionnels en MMA lors de l'événement King of the Cage, qu'on connaît bien, Turning Point, en battant par soumission Eliane Gomez. Un turning point. Hein. Impact Wrestling, c'est pas inspiré de ça. Ah non, c'est clair. Hein. OK. 17 juin 2011, à Calgary, Alberta, Canada, mesdames et messieurs. Lors de l'événement Arnox Fighting Championship School of Arnox 12, c'est long à dire pour un événement. Elle bat Charmin Tweet par soumission. Yes, et puis le 12 août 2011, à Las Vegas, elle a fait ses débuts dans Strike Force en battant Sarah Dalilio. Martel et Santana, ils étaient où? Ils étaient chez eux. Oui, le pire, c'est qu'il était chez eux. Ben, Tito Santana coupait des cheveux à ce temps-là. Ah oui, il enseignait l'espagnol. Yes, le 3 mars 2012, à Columbus, Ohio, elle devient la nouvelle championne des poids coqs féminins Strike Force en battant, désolé si je le dis mal, le Misha Tate. Misha Tate, oui, c'est ça. 18 août 2012, à San Diego, en Californie. Défense avec succès de son titre poids coq
face à Sarah Kaufman. Yes, et puis elle a signé à la UFC en novembre 2012. Ouais. Donc, son premier combat fut le 23 février 2013 à Anaheim. Puis elle a défendu son titre avec succès face à Liz Carmouche lors de UFC 157. 28 décembre 2013 à UFC 168. Elle bat Misha Tate dans un match revanche à Las Vegas. Bref, elle était pas capable de la battre, Tate. Non, c'est ça. Et puis le 15 novembre 2015, lors de UFC 193, après avoir conservé son titre à 6 reprises, elle perd cette fois-ci face à Holly Holm, mettant en fin à sa série d'invincibilité. Chaud de passer en d'Ortega. Ben oui, c'est comme elle a brisé sa streak. Ouais, c'est ça. 30 décembre 2016, retour dans la UFC. Elle perd face à Amanda Nunes au UFC 207. Et puis en 2017, après quelques mois sabbatiques, elle a remporté. Elle a été rapportée, excusez-moi, que Rousey avait signé avec la WWE à temps plein et s'est entraînée au WWE Performance Center à Orlando et à l'école de lutte de Brian Kendrick. Ouais, c'est ça, tu m'avais déjà parlé. Brian Kendrick, c'était un maudit bon professeur de lutte. Ouais, exact. C'est où déjà? C'était en Floride, son école de lutte à Brian Kendrick? Tu m'en avais déjà parlé. En Californie. Ouais, tu vois, qu'est-ce que je sais qu'il y en a une gang qui vont là, tu sais, entre autres sa sœur, Eva Marie. Là. Ça sort avec Kendrick? Mais il me semble que oui. Oh, on fera des recherches. Ça, je ne mettrai pas ma main sur la Bible là-dessus. Mais il me semble que oui, attends un peu, on va faire des recherches. Ouais, pas de trouble. Il me semble que oui, je ne suis pas fou aussi. Frère et soeur. Non, il me semble que c'est Nielsen, son nom de famille. Kendrick, c'est son vrai nom. Oui. Non, oui, je suis peut-être dans le champ bien raide. Non, c'est pas grave, là, regarde. Ah, je suis dans le champ. Non, c'est regarde. C'est pas grave, c'est moi qui c'est. Peut-être dans une storyline. Ouais, peut-être. Peut-être sa soeur. Ouais, faut. Précisons qu'avant de signer avec la WWE, Ronda Rousey a fait quelques petites apparitions. En particulier, c'était à WrestleMania 31. Ouais. Ouais, c'est ça, dans un segment impliquant The Rock, Stephanie et Triple H. Ils en sont venus au coup. Ben oui, tu te souviens-tu, elle avait pris Triple H au-dessus de ses épaules, mais à partir d'Ater, elle avait fait un flip. Mm-hmm. Puis elle l'avait levé sur ses épaules. C'était vraiment impressionnant parce que tu sais, Triple H pèse plus de 250 livres. Oh, ouais, c'est une pièce d'homme. C'était vraiment impressionnant de voir à quel point genre Ronda Rousey elle est puissante. Là. Et puis le 28 janvier 2018, après la victoire du Royal Rumble féminin d'Asuka, Rousey a fait une apparition sur le ring devant Alexa Bliss et Charlotte Flair, qui étaient à cette époque les championnes de Raw et SmackDown. Puis on relevait au cours du segment par ESPN qu'elle avait signé un contrat à temps plein, donc c'est une confirmation qu'ils ont signé un contrat avec la WWE. J'ai lu quelque part qu'elle avait un manteau de cuir à la Roddy Piper, là. Ouais. Puis ça y avait été donné par le fils du défunt Piper. OK. Puis tu sais, le nom de Rowdy Ronda Rousey, dans le fond, elle a eu le hockey de Roddy Piper. OK. Nice. C'est comme si toi, tu t'appellerais, mettons, Hollywood Johnny D, ça te prendrait une approbation d'Hogan. Ah, elle, c'est un petit peu ça. OK. Fermeture de la parenthèse, là. 5 mars 2018, à Raw, il a été annoncé que Rousey ferait ses débuts sur le ring à WrestleMania 34 à New Orleans, en Louisiane, dans un match par équipe mixte opposant Rousey et Kurt Angle face à Stephanie et Triple H. Oui, puis le 8 avril 2018, à WrestleMania 34, Ronda Rousey a eu une victoire et Angle par soumission face à Stephanie McMahon. Parce que je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, elle avait fait son onboard. Ouais, avait fait. C'était vraiment un bon combat. Puis c'était un retour de Angle, tu sais, pour un soir, je pense, cette fois-là. Parce que lui, il était GM de Russ, je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ben, il était catcheur occasionnel. Là. C'est ça. Puis c'est ça, Triple H avait fait un turn sur lui à Survivor Series 2017. C'est ça, exact. Puis là, ils ont décidé de faire un mix tag, intergender tag team. Yes. 17 juin 2018, à Money in the Bank, elle bat Nia Jax par DQ, disqualification pour être plus précis. Après l'intervention d'Alexa Bliss, cette dernière, elle a encaissé sa mallette fraîchement rapportée sur Jax pour devenir la nouvelle championne de Raw, mesdames et messieurs. Yes, et puis en un an, pratiquement jour pour jour, le 19 août 2018, lors de SummerSlam, Ronda Rousey a gagné son premier titre féminin de Raw en battant Alexa Bliss. Elle bat une fois de plus Bliss dans un match revanche lors du Hell in a Cell le 16 septembre. Pourquoi tu dis un an?
Ah non, c'est quelques mois après. Ouais, excuse-moi, deux... ouais, je suis mêlé. Désolé. Okay. Oh, oui, c'est, ouais, beau, c'est, ouais, moi qui ai mal interprété l'information. 28 octobre 2018, lors du pay-per-view entièrement féminin Evolution, la Women's Revolution, que Stéphanie vantait toujours, qui a bien fait d'ailleurs parce que ça a révolutionné le monde. Le catch féminin, comme dirait les Français. Elle a battu Nikki Bella dans le main event pour conserver son titre une fois de plus. Et puis le 7 avril 2019, lors de WrestleMania 35, elle perd pour la première fois de son titre détenu durant 231 jours dans un match impliquant également Charlotte Flair, Becky Lynch, avec une victoire de Lynch dans un Winner Takes All Triple Threat Match for the WWE Raw Women's Champion et le WWE SmackDown Women's Championship. C'était la première, c'était le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania, parce que tu te souviens, dans le fond, à cette époque, je pense que c'est comme au début où est-ce qu'il faisait deux soirs pour WrestleMania. Hein. Non, ça c'était WrestleMania 36. Ah, ok, c'est ça. Puis à... oh, oui, c'était WrestleMania. Ouais, puis ok, c'est ça, c'est ça. Puis dans le fond, eux se sont ramassés l'année juste avant, ouais, qu'ils fassent les deux soirs. Le... ben, c'est ça, le main event féminin, parce qu'habituellement c'est un main event masculin. Mais là, avec la Women's Revolution, ils ont essayé la formule de mettre un main event féminin lors de WrestleMania. Et c'est Becky Lynch qui était vainqueur du Royal Rumble d'ailleurs, qui a remporté. Exactement. Peu de temps après, Rousey a pris une pause sabbatique de la WWE. 29 janvier 2022, retour de Rousey en tant que face au Royal Rumble, qu'elle a remporté pour se mériter une place de championnat de son choix. À WrestleMania 38. Et puis le 19 février 2002, elle a... 2022, excusez-moi, elle a... Ouais, c'est écrit ça un peu. Elle et Naomi ont battu Charlotte et Sonya Deville lors de l'événement Elimination Chamber, qui était vraiment un bon combat. Oui, franchement. Et puis le 2 avril 2002, dans... 2022, dans la première soirée de WrestleMania 38, elle perd son match pour le titre de SmackDown face à Charlotte Flair. Cependant, elle a pris sa revanche un mois plus tard contre Flair dans un I Quit match lors de WrestleMania Backlash pour remporter le titre féminin de SmackDown en date du 8 mai. Ouais, 2 juillet 2022, à Money in the Bank, elle conserve son titre face à Natalia. Yes. Mais elle l'a perdu juste après contre Liv Morgan, qui est venu encaisser sa mallette, fraîchement remportée plus tôt dans la soirée, yes, pour faire de Liv Morgan la championne féminine de SmackDown. C'est ça. 30 juillet 2022, Ronda Rousey a perdu contre Morgan de manière controversée. Morgan gagna par tomber malgré la soumission de Rousey alors que ses épaules étaient collées. Un peu comme... tu sais, la fois que pour la World Heavyweight en 2004, quand Chris Benoit a fait le crossface à Edge, puis Edge l'a comme reviré en pin, 1, 2, 3, mais Edge a comme tapé en même temps. Ouais. Fait que là, on s'est accrassé à strap vacant. Ben, c'est une genre de victoire. Il n'y avait pas eu une affaire aussi avec Bret Hart, puis. C'est-tu Roddy Piper, parce qu'il a deux épaules tôt au sol? Ben, WrestleMania 8, il fait la prise du sommeil, puis là, il fait un pin. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'était. Ah, oh, Bret Hart avait les épaules, tu penses? Je ne sais plus. Bon, on en recheckera. Oh, oui. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ouais, j'en parlerai à la fin au pire. OK, vas-y. Puis là, juste après le match, Rousey a attaqué Morgan et l'arbitre, tournant à heel pour la première fois en 3 ans. Depuis son retour. Yes. Et puis, on est là. Hein, 8 octobre 2022. À LNSL, Ronda Rousey a battu Morgan pour remporter son deuxième championnat féminin de SmackDown. 26 novembre 2022, lors de l'événement Survivor Series War Games, mesdames et messieurs, Rousey a conservé son titre contre Shotzi, avec l'aide de Shayna Baszler, qui était éventuellement sa nouvelle partenaire. Et puis, le 30 décembre 2022, à SmackDown, Rousey a conservé son titre face à Raquel Rodriguez, qui va se battre justement avec Rhea Ripley à Payback ce week-end. Ouais. Après le match, Rousey a été confrontée par Charlotte Flair de retour, qui a défié Rousey dans un match pour le titre qu'elle a accepté. Cependant, Rousey a été vaincue par Flair en moins d'une minute, mettant ainsi fin à son deuxième règne à 83 jours. Elle a droit rien caché pour reperdre en moins d'une minute. Là. C'est sûr. Tu sais, des fois, ces grosses vedettes-là, des fois, c'est difficile, ça a de l'ego. OK, 2 avril 2023, dans la nuit 2 de WrestleMania 39, Rousey, ouais, et Shayna Baszler, que j'ai mentionné tout à l'heure, yes, ont battu Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Natalia et Shoddy, ainsi que Chelsea Green et Sonya Deville par soumission dans un WrestleMania Showcase féminin, match fatal par équipe à 4. Yes, ensuite de ça, à Raw, du 29 mai 2023, Rousey et Baszler ont remporté un match fatal par équipe à 4 pour le championnat vacant. Par équipe féminine de la WWE. Cette victoire a fait de Rousey la 8e championne de la triple couronne féminine.
1er juillet 2023, Rousey a perdu le titre par équipe contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez après un turn de Baszler. Exact. Mettant fin à leur règne de seulement 32 jours, c'était à Money in the Bank. Ensuite de ça, lors du SummerSlam 2023, Rousey a perdu son... elle a perdu contre Shayna Baszler dans un match selon les règles du MMA. Dans le fond, c'est un genre de MMA submission. UFC, là, c'est ça. Parce qu'on comme Shamrock et Owen Hart, aussi, avait fait du UFC. Hein. Ouais. Comme Shamrock et Owen Hart, à un moment donné. Oui, exact, exact. Et puis, dans le fond, il s'agit de la première défaite par soumission de Rousey à la WWE. Après le match, Ronda Rousey a annoncé qu'elle quittait la compagnie. Mais ça, si elle a reçu un chèque, un gros chèque, elle va revenir. Ben, au-delà de sa carrière sportive, il faut ajouter que Ronda Rousey a pas rien du succès dans le sport, mais dans le UFC, Ronda Rousey est également une personnalité qui a inspiré et soutenu de nombreuses causes et injustices sociales. Yes. Elle s'est exprimée beaucoup ouvertement sur des sujets tels que le sexisme dans le sport et la société en général, l'égalité des sexes, les droits des femmes. Rousey a été une voix forte dans le mouvement hashtag MeToo qu'on connaît très bien et a partagé son propre vécu en tant que survivante d'agressions sexuelles. Elle a également utilisé sa notoriété pour faire valoir les droits des combattants dans les UFC, en plaidant notamment pour de meilleures conditions de rémunération et plus de respect pour la gente féminine dans le sport, les athlètes féminins. Yes. Puis en dehors de son engagement social, Rousey est une passionnée de jeux vidéo et de culture geek en général. Elle est une fervente joueuse de World of Warcraft et a même participé à l'événement majeur de l'industrie des jeux vidéo. L'E3, l'Electronic Entertainment Expo. Ça, c'est le tournoi. C'est un tournoi des gamers, hein? Ouais, c'est ça. OK, mettons, ils jouent à Warcraft ou n'importe quoi. Exact. OK, Ronda Rousey a également écrit un livre intitulé My Fight, Your Fight, dans lequel elle partage son parcours personnel, ses luttes et son succès. Elle a également participé à plusieurs conférences et événements pour partager son expérience et son inspiration avec le monde, là. Et puis, Ronda est une figure qui a marqué beaucoup les sports de combat et qui a utilisé sa plateforme pour défendre des causes, comme je l'ai expliqué juste avant, et partager son expérience personnelle. Elle est reconnue non seulement pour ses performances athlétiques, mais aussi pour ses convictions et son engagement pour un monde meilleur. En dehors de sa carrière, Ronda Rousey a également été impliquée dans le monde du divertissement. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, mon Ben? Oui, on a pu la voir d'ailleurs dans le film sorti en 2014, Les Sacrifiés 3, Expendables 3, ouais. Aux côtés de Sylvester Stallone. Avec la belle robe rouge. Oui, elle faisait le rôle de Luna, la genre de barmaid bagarreur. Yes. Puis elle a joué aussi dans Fast and Furious 7. Oui, celle-là pour rendre hommage à M. Paul Walker, décédé avant la fin du tournage. C'est ça. Ainsi que dans des émissions de télévision. Je sais qu'elle avait passé aussi à Jimmy Fallon, me semble aussi. Bon, elle a passé dans plein de talk show. Elle a également été l'une des premières femmes à réussir la transition entre le MMA et la lutte professionnelle en rejoignant la WWE. Ben ça, on le dit souvent. Ronda Rousey, c'est Brock Lesnar, mais au féminin. C'est en frais de contrat et en frais de condition. Parce que Brock Lesnar, c'est ça qu'il a fait. Il, à un moment donné, il était sous contrat avec la WWE, mais il est retourné spécialement à UFC faire un match qui a été... sa victoire n'est pas encore... comment je dirais le mot? Là? Reconnu. Ouais, il n'est pas encore reconnu parce qu'il était dans le dopage. Là. Il s'était fait pas du dopage. C'est ça, exact. Fait que c'est encore ambigu. Mais vu qu'il y a un contrat de légende avec WWE, qu'il n'y a pas de contrat de superstar, ben, c'est comme si la WWE ont laissé passer ça. Parce que normalement, c'est une suspension de 30 jours. Non, c'est sûr. Et puis, par la suite, dans le fond, elle s'est mariée en 2017 avec le combattant de MMA, justement, Travis Brown. Ils sont devenus, le 27 septembre 2021, les parents de la petite Laikea Brown. Ouais, parce que c'est assez dur à dire. Ouais, c'est Maka La Poix Kalanipo Brown. Wow. Ouais, c'est quand même assez impressionnant comme nom, là. Puis, en fait, c'est pas mal ça. Nous, on voulait vous partager de l'information importante à propos de notre combattante préférée de MMA. Il s'agit de Ronda Rousey. Nous sommes toujours disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube juste ici. Et vous pouvez visiter notre site youtube.com/WrestleRockPodcast. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur Ronda Rousey. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci beaucoup, les amis, les Wrestle Rockstars. Je suis Nostradaben et voici Johnny D. On vous remercie et on se dit à bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir!
Salut!